Alors, une petite vidéo qui est une sorte de rappel pour les nouveaux qui arrivent et qui sont venus depuis 6 mois, 1 an sur ma chaîne. On va migrer sûrement sur Odyssée, hein, alors il faudra que tout le monde y vienne. Hein. Alors, on va donc rappeler un peu quelque chose qui a à voir, si vous voulez, un peu avec l'ADN différent. Je rappelle encore une fois, j'ai vécu chez les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qui ont une composition du sang différente de celle des autres humains, qui ont donc un ADN différent, et qui disent qu'ils ont été mis sur la Terre pour être des gardiens de la Terre, et qui ont beaucoup de légendes sur les migrations venues de l'espace pour venir sur la Terre. Et les Hopis ont également une prophétie sur les futures migrations qui iront de la Terre vers les autres systèmes stellaires que dans mes autres vidéos on appelle évacuation, si vous voulez. Donc les Hopis l'ont prédit depuis très longtemps. Bon, je reprends ça parce que je l'ai déjà donné. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que rappelez-vous tout ce que j'ai dit sur la réincarnation, d'accord? Il y a beaucoup de preuves dans tous les coins, y compris d'universités, de nombreux pays, surtout USA, Inde, etc. Vous avez le super film Cloud Atlas, vous avez l'histoire de Elberry, réincarnation de Dorothy Dandridge, plein d'autres choses comme ça, le film Patton, où Patton explique qu'il a été général dans telle bataille, alors que c'était des endroits. Quand il est arrivé avec les armées américaines, puisque lui il dirigeait une armée, il n'était jamais venu. Il a dit, moi je connais, j'étais général ici. Bon, ok. Donc, ça veut dire que il y a des gens ici sur Terre qui ont eu des incarnations avant, ailleurs, dans l'univers. De la même façon que des gens ont eu des incarnations ici sur la Terre. C'est pour ça que nous avons des troupeaux, des vrais troupeaux sur la Terre, d'esclaves, de cerfs, de coulis chinois, etc., qui, depuis des incarnations, ont toujours été des esclaves ici sur la Terre, de tous les systèmes possibles imaginables. On en passe. Alors donc, on ne va pas faire quelque chose sur la réincarnation ici. On va répondre de nouveau à la question qui m'est souvent demandée de temps en temps. Quelle est la différence entre un star people, un star seed? Star people, ça veut dire quelqu'un qui vient des étoiles, hein, comme certaines stars ont dit. Hein. Michael Jackson, pour ne pas le nommer, il a dit « moi je suis un extraterrestre qui est incarné sur Terre ». David Bowie l'a dit. Nina Hagen, une star allemande, et encore un certain nombre d'autres, et pas mal non plus d'artistes qui le disent dans des chansons, en parlant justement de... D'ailleurs, hein, il n'y a qu'à voir... Ah bon, on mettra un morceau là, tiens. Il n'y a qu'à voir Goodbye Milky Way de Enigma, d'accord. Qui est justement ça. Des gens qui sont mis incarnés sur la Terre et puis qui s'en vont. Voilà, c'est tout. Goodbye. En fait, il y a trois différences. Il y a une différence. Entre d'une part... Star people,
les aides des étoiles, les starseeds, les semences d'étoiles, les enfants de la Terre. Alors, les starseeds, très rapidement, j'ai déjà expliqué, hein, ce sont des volontaires qui sont venus de l'univers pour s'incarner sur Terre, mais il y a très 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 longtemps, tellement que ben, ils ont un peu oublié leurs origines, et ils ont eu tellement d'aventures sur cette Terre, en se battant pour la liberté, la plupart du temps, ou en passant des vies de méditation dans des grottes ou dans des monastères, etc. Les starseeds, c'est ça, c'est pas les nouveaux arrivés, voilà. Les nouveaux arrivés, ce sont les Star People, les gens des étoiles, qui ont été envoyés tout l'univers dès que les terriens fous, foldingo, fin fous, comme on dit en Lorraine, ont commencé à jouer avec, en cassant l'atome et en cassant la vie. Avec les bombes atomiques et tout le reste maintenant qui est encore pire avec création de trous noirs, etc. Ouverture de portes dans les autres dimensions comme au CERN. Voyez le symbolisme de la cérémonie du Saint Gothard en Suisse. Hein, n'oubliez pas de regarder ça. C'est important. Elle existe encore, hein, vous la voyez la vidéo, avec les explications. Il y a des explications qui sont un peu catholiques sur les bords, un peu chrétiennes, mais c'est pas grave. Vous verrez par vous-même commencer à annoncer ce que va devenir l'Europe, puisque c'était tous les dirigeants de l'Europe qui étaient dans l'assistance et qui ont vu ce rituel. Foldingo complet, délire complet, et qui n'ont pas bougé d'un millimètre, parce qu'on leur annonçait, on leur avait dit d'ailleurs, voilà, c'est la nouvelle Europe, hein, on est ici pour célébrer la nouvelle Europe. Et bien, vous la voyez dans la cérémonie de l'ouverture, l'inauguration du tunnel du Saint Gothard. Alors, j'ai vu les starseeds, les enfants de la Terre, c'est également des gens qui sont des êtres, qui sont des âmes qui sont venus s'incarner tout à fait au début de l'expérience Terre ou de la colonisation de la Terre et qui ont eu très peu de vie, peut-être deux ou trois, dans d'autres systèmes. Simplement pour leur donner une idée. Ouais, mais tu sais qu'ailleurs, c'est pas comme ici, quoi. Tout est sur la Terre, là. Vous êtes des fous depuis que vous avez décidé qu'il n'y avait plus le jardin d'Éden, je sais pas quoi, là. Mais c'est pas comme ça ailleurs, c'est juste pour te donner un petit rappel. Peut-être que parfois tu t'en souviendras en regardant les étoiles en disant ah oh oui, mais alors ça doit pas être comme ça ailleurs. Bah oui, c'est pas comme ça ailleurs, puisque banane, t'as eu une ou deux ou trois vies ailleurs pour qu'on te montre ce que c'est. Hein? Alors, les enfants de la Terre, donc mis à part ça, ils ont très peu de mémoire, ils sont pas intéressés par tout ce qui est de l'espace, ils sont pas intéressés par les UFO OVNI, ni tout ça. Alors, ça, c'est les enfants de la Terre, bon, qui évoluent spirituellement, hein, qui peuplent beaucoup le New Age, hein, et qui font des méditations pendant des heures avec les jambes complètement twistées comme ça, avec ça. Vous connaissez tout ça. Alors, les Star People, on n'oublie pas que beaucoup d'Amérindiens avec qui j'ai été, hein, dans tous les congrès Star Knowledge, disent qu'ils sont des Star People, ils sont des êtres des étoiles. Donc on répète, les Star People, mais je garde le mot Star People, hein, vous savez ce que c'est maintenant. Donc ils ont eu très peu de vie sur la Terre, ceux-là, très 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 peu. Juste pour leur dire, t'as vu la folie ici, faudra te faire quelque chose. Voilà. Tout le reste, ils ont passé ça sur d'autres systèmes, d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres univers. Et ils ont fait beaucoup beaucoup de missions dans la flotte intergalactique. D'accord, alors ceux-là, ils disent que c'est un environnement hostile, que leur famille n'est pas leur famille, etc. Donc, vous connaissez un peu tout ça. Certains d'entre eux peuvent aussi avoir l'énergie de ce qu'on appelle le Saturn Command, qui est une énergie spéciale avec des capacités spéciales de mission sur Terre. Ceux-là, ils ont cette énergie qui va faire péter les plombs à tout le monde. Il doit y en avoir quelques-uns dans les manifestations quand même. Hein, et qui sont là pour essayer de changer les fréquences, qui ont besoin d'être nettoyées et recyclées, etc. Les Star People du Saturn Command, hein, ils ne sont pas ultra populaires, hein, parce que ils sont très... Non. Voilà, alors
Ils ont du mal à trouver ceux comme eux. Je connais ça. À la fin, je vais mettre, ou là, mais dans la description, je vais mettre les références hein, de mes informations sur les thèmes galactiques, hein, pour ceux qui s'intéressent, parce que ça vous donnera une idée. Si vous êtes du Saturne Command, de quel système vous venez, etc., etc. Alors, vous avez bien sûr, hein, j'ai déjà parlé de Francis Steiger et du livre The Star People. Vous pouvez le retrouver d'occasion, hein, je pense, The Star People. Je ne suis pas sûr du tout qu'il ait été traduit en français, mais avec un dictionnaire, vous pouvez peut-être le lire. De Francis Steiger, j'ai déjà dit Bryce Steiger. Ouais. Parce qu'il a éliminé complètement Francie de la mémoire collective et ça on fait pas des choses pareilles. Le nombre, on a déjà dit un certain nombre de centaines de milliers dès que les bombes atomiques ont explosé, ensuite 2 ou 3 millions dans les années 50-60, ensuite une autre grosse vague dans les années 75 sur 50 millions par là. Et dans les années 90 aussi, il y en a eu pas mal, et qui sont arrivés complètement conscients, ceux-là, avec le troisième œil ouvert, et leur sens multidimensionnel sont complètement opérationnels. Donc ils auraient donc 30 ans aujourd'hui, comme peut-être Sophie Tessier, que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Hein, sur la manifestation qui a eu lieu hier contre les lois qui enlèvent toutes les libertés et qui a justement cet âge-là, hein, ceux qui sont nés après les années 90. Alors, on va donner donc de nouveau les messages. Un, donné à un des meilleurs Chanel, pas Chanel, pas Chanel. Chanel, ça n'existe pas, c'est pas good. C'est pas good. Télépathie, PES, Solex, voir mon cours de télépathie dans mes publications. Toujours, je vous mets les infos. Alors donc, du commandeur Lighton de la flotte intergalactique, de la Star Command. Donc, par Liara, Liuri Hardyshek. Qui était dans l'Arizona, qui n'est pas à confondre avec une autre Liara qui est venue après. Alors, donc le message du commandeur Lighton. Les enfants des étoiles, les Star People, hein, seront appelés les enfants christiques, les êtres christiques, parce qu'ils ont la même connaissance et vibration que celui que vous appelez Jésus sur Terre, qui a d'autres noms dans l'univers. De la même façon que les communautés esséniennes ont été le support pour celui que vous appelez Jésus et celui qui était avec lui. Pas les 12 apôtres, mais les autres, hein, il y avait de nombreux groupes. Il faut qu'il y ait des communautés pour leur donner support. Ces enfants ne doivent pas être enregistrés par le système actuel, ni formatés dans le système d'éducation. Il est impératif, pardon, que les enfants d'aujourd'hui, par exemple, qui sont des Star Children, qui sont des enfants des étoiles, pour beaucoup, il est important qu'il n'y ait pas d'inoculation de vaccins et d'autres drogues, parce que leur vibration ne permettra pas qu'ils puissent supporter cette chose. La même chose pour tous les Star People hein, qui sont nés depuis les explosions atomiques. Les autres aussi, évidemment, puisqu'il y a une affaire d'ADN. Alors, la responsabilité de ces enfants, c'est dans vos mains, hein, parce que c'est eux qui vont diriger la nouvelle planète de cinquième dimension. Voir ma vidéo sur le sujet. Beaucoup de ces enfants utilisent les parents seulement comme véhicule, hein, c'est pas leur vraie famille. Parce que de toute façon, leur famille, beaucoup de leurs familles ne vont pas pouvoir rester dans des corps physiques. Pendant la transition et les changements de la Terre, beaucoup de familles seront complètement éclatées. Donc ces enfants vont arriver un jour tout seuls dans les communautés.
qu'il serait temps de se créer. C'est hyper urgent. Alors, vous aurez à travailler avec des enfants que vous ne connaissez pas, qui vont arriver comme ça, tout seuls. Également, beaucoup de couples vont être séparés, hein, parce qu'ils seront appelés ailleurs. Et donc, beaucoup qui sont séparés, hein, de leur famille et de leur couple vont arriver également pour faire de nouvelles familles pour la transition de la planète. Ne soyez pas effrayés de l'amour, parce que l'amour, c'est votre vraie nature. Exprimez votre vraie nature et d'aimer sans peur et d'aimer toute la vie. Bien sûr, dit Lighton, vous fonctionnez mieux dans des relations monogamiques. Okay. On n'est pas dans l'histoire des communautés, genre sectes, où tout le monde appartient à tout le monde. Ça n'a rien à voir, hein, ce qu'on dit là. Gardez votre intégrité divine et toutes vos relations seront polarisées et bénies. Intégrez ces hauts principes et vous recevrez le vrai bonheur et la joie en vous et dans toutes vos relations. Signé Commander Lighton, flotte intergalactique, reçu en PES Solex par Lyra, Liuri Hardyshek, Arizona. Maintenant, notre transmission que j'ai déjà donnée, mais je la redonne parce que c'est pour tous les nouveaux et ceux qui n'ont pas peut-être vu toutes mes vidéos. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup et ça augmente tout le temps. Donc un autre instrument de la Star Command, hein, qui recevait au PSEX, c'est Sue Ellen Malone. Sue Ellen Malone, des USA. On n'a pas de mention exactement où elle est, où elle était, si elle est encore là. Donc un article et une réception donc de Sue Ellen Malone. Il n'y a pas de doute que vous avez reconnu un changement énorme dans le comportement des enfants depuis les dernières décades. Alors, beaucoup de ces enfants se fichent complètement du processus d'éducation de l'établissement établi. Pour parler simplement, ça les ennuie suprêmement. Et souvent, la plupart de ces enfants ne fonctionnent pas correctement du tout dans les écoles. Et leur esprit sont vraiment ailleurs, littéralement. Ils ont très peu de patience, ils refusent de faire des activités complètement idiotes, beaucoup sont hyperactifs et certains sont totalement désobéissants. Alors on risque pas de les mettre dans un cerceau pour respirer 2 minutes, parce que tout le reste de la journée ils ont un masque, on risque pas, c'est un risque pas. Bref, le système ne remplit pas du tout leurs besoins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des récepteurs neurologiques extrêmement avancés dans leur structure génétique. Toujours la fameuse histoire de l'ADN différent. Alors, ce sont des espèces de crochets, voilà, de crochets, hein, qui ont des récepteurs et qui arrivent à faire une conversion dans les datas, dans les informations qui leur arrivent. Ils n'aiment pas, hein, que ces systèmes soient en vitesse lente. Hein. Ils aiment la super vitesse. Donc il faut une reconnexion de ces structures qui sera facilitée dans les académies de lumière, qui sont les communautés qui auraient dû normalement se faire sur la Terre si on était resté sur la ligne de temps positive. Oui, mes vidéos sur la ligne de temps. Allez. Ben, je ne suis pas tout seul à en parler maintenant de ça. Hein. Jean-Jacques Crèvecœur qui commence à parler des lignes de temps ou des changements possibles de lignes de futur. Donc, quand ces enfants vont être réveillés, ils vont venir ensemble, hein, dans des espèces d'écoles, de communautés, où le langage de lumière, hein, sera transmis et reçu. Il y aura des encodages, hein, qui se feront au travers des énergies de mouvement, de son et de lumière, comme ces enfants des étoiles apportent leur énergie
au travers de leur cortex dans la colonne vertébrale et le système nerveux, leurs structures ADN sont altérées pour pouvoir leur permettre de recevoir plus d'instructions et plus d'encodage de façon directe, une fois qu'ils ont été aidés, hein, dans des sortes de nouvelles écoles de lumière, si vous voulez. Alors, une fois que les enfants des étoiles seront reconnectés et protégés de ces énergies de troisième et quatrième dimension qui ne sont pas bonnes pour eux du tout, ils pourront enfin être heureux et être eux-mêmes. Dans le même temps, ils ont ce que le message que reçoit Hélène Malone dit, ils ont des guides pour la joie qui leur envoient des flashs codés, hein, qui sont des langages universels de lumière et qui leur apportent la joie et qui aident leur imagination et expression du langage de lumière dans tous leurs talents de très grande créativité dans la musique et dans l'art. Il y en a beaucoup dans ce domaine. Donc, tous sur Terre, soyez prêts parce que il va y avoir un nouvel univers, hein, avec de nouvelles planètes, y compris donc une planète 3D, 4D, 5D. Revoyez ma vidéo sur le sujet. On va essayer de la remettre dans les vidéos en top niveau dans Odyssée. Ouais. Donc les enfants nés depuis 1975 seront les futurs leaders et les opérateurs dans les procédures d'évacuation d'ascension. Également leaders dans la nouvelle flotte intergalactique. Pas oublier que beaucoup d'entre eux sont ici pour la première fois. Ils n'ont jamais été incarnés sur la Terre avant. Dernière note. La procédure de naissance ici, de venir s'incarner, c'est la seule valable pour aider l'humanité. Et cette planète, sans porter atteinte à la prime directive, c'est-à-dire la loi de non-interférence de la flotte intergalactique, qui existe bien entendu. C'est une loi de non-interférence dans le développement des planètes de classe M. Vous voyez Spock dans Star Trek. Classe M Planet, Captain. Voilà, c'est ça. Ça veut dire là que l'histoire des Walking, c'est pas une procédure favorite dans la flotte intergalactique. Voilà. Alors, j'ai fini ce petit morceau. Regardez donc mes publications et voyez un peu l'affaire des thèmes galactiques pour avoir plus de réveil dans tout votre ADN et toutes vos mémoires. Justement, d'ailleurs, Captain Out. Mission is over, mission is done. I will miss you, children of the sun. Now it's time to go away. Goodbye.